ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد Le hadith est un hadith rapporté par l'imam muslim dans le chapitre de la foi. Un hadith de Abdullah ibn Amr anhuma, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit a certes réussi et récolté le succès, quiconque a embrassé l'islam et s'est contenté de ce qu'Allah lui a octroyé. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a promis le succès à quiconque possède ces trois caractéristiques. Et le falah, le succès, c'est la réalisation de tout ce que l'on désire et on espère, et d'être préservé de tout ce dont on craint et qu'on redoute. Que ces choses-là soient liées à la vie de ce monde et la vie après la mort. Car le vrai succès, c'est celui qui réussit dans ce monde et dans l'au-delà, et qui est préservé de tout le mal et de tout ce qu'il craint et qu'il redoute dans ce monde et dans l'au-delà. Donc ces trois critères. Ils regroupent à eux seuls tout le bien, tant d'un point de vue religieux que d'un point de vue temporel, c'est-à-dire de la vie de ce monde. Ainsi, le serviteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé vers l'islam, qui est la seule religion acceptée d'Allah, la religion auprès d'Allah est l'islam. Et celui qui cherche une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc l'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah en lui attribuant l'unicité et se soumettre à lui par l'obéissance et se désavouer du polythéisme et de ses gens. Et c'est la seule religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah wa ta'ala dit, celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine et lui élargit la poitrine à l'acceptation de l'islam. Donc, celui qu'Allah wa ta'ala a guidé à l'islam, il recevra bien sûr la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et sera préservé de son châtiment. Si en plus de cela, Allah lui complète son bienfait, en lui permettant de se contenter de ce qu'Allah lui a octroyé et lui a donné, et de lui donner la subsistance qui lui suffit pour être préservé de tendre la main et de la mendicité. Donc, si Allah Ta'ala a guidé quelqu'un vers l'islam, par cela il attend une grande récompense et par cela il est préservé d'un grand mal, puis il lui donne ce qui lui suffit dans sa subsistance, c'est-à-dire ce qui ne dépasse pas ses besoins, contrairement à celui qui vit dans le luxe. Car un serviteur d'Allah pieux ne vit pas dans le luxe, comme il est vu dans des hadiths. Donc, celui qu'Allah a guidé à l'islam, qui est la base et le plus grand des bienfaits, puis qui lui a donné ce qui lui suffit comme subsistance, et après lui avoir donné ce qui lui suffit comme subsistance, il lui a donné une qualité supplémentaire qu'il est satisfait de ce qu'Allah lui a octroyé. Il ne veut pas plus que cela. Il se contente de ce peu qui lui suffit, qui comble son besoin et le besoin de ceux qui sont à sa charge. Alors celui qui réunit ces trois caractéristiques-là et que son âme elle n'aspire pas à pencher vers le surplus, alors il aura atteint la réussite et le bien de ce bas monde et de l'au-delà, comme on voit dans ce hadith. Et la véritable privation, quelqu'un quand il est privé, ce n'est pas seulement quand il est privé des choses matérielles. Mais la véritable privation, c'est d'être privé d'une des trois caractéristiques qu'on a citées auparavant. Car celui qui est privé d'une de ces trois caractéristiques, il est privé du succès. Ainsi, soit la personne n'est pas guidée vers l'islam. Et alors, quelle que soit sa situation, sa destinée sera la damnation éternelle. Sans compter qu'il vivra dans cette vie une vie misérable. Comme Allah Ta'ala dit. Dans le sens des versets, celui qui se détourne de notre rappel, nous lui ferons vivre une vie misérable, et il sera ressuscité le jour du jugement dernier aveugle. Il dira mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais auparavant voyant Il lui dit Quand mes signes te sont venus, tu t'es détourné, et aujourd'hui aussi tu seras oublié. Donc celui qui se détourne du rappel d'Allah en délaissant l'Islam, c'est-à-dire qu'il ne veut ni l'écouter, ni l'apprendre, ni le mettre en pratique, et il tourne le dos à la guider. C'est-à-dire, il a tourné le dos à l'islam. Celui qui a tourné le dos à l'islam, alors il vivra une vie misérable dans cette vie et il aura comme euh, demeure l'enfer éternel. Donc, ceci est clair pour tout croyant. Donc, cette première personne, déjà, quoi que soit sa situation, qu'il soit comblé, qu'il ait de l'argent, la santé, les biens, comme Allah a dit, ne soit pas étonné par leurs biens et leurs enfants. Allah ne veut par cela que les châtier par ces choses-là dans cette vie terrestre et que leur âme soit arrachée alors qu'ils sont mécréants. Donc, quand un mécréant fait des bonnes œuvres, elles ne sont pas acceptées par Allah. Mais Allah est juste, il le récompense dans ce monde pour qu'il ne retrouve rien dans l'au-delà. Alors que quand un musulman, un croyant fait des bonnes œuvres, Allah lui garde, il lui fait grandir la récompense. Et il ne lui donne dans ce monde qu'un peu de baraka, quelques bénédictions de ses bonnes œuvres pour qu'il vive avec. Mais il retrouvera la vraie récompense de ses bonnes œuvres, Yom al nah. Quand Allah wa ta ala, parle des gens qui se sont attachés qu'à ce bas monde, qu'est-ce qu'il dit en parlant d'eux Vous avez épuisé tous vos bienfaits dans ce bas monde et vous en avez bien joui. Donc celui qui veut épuiser tous les bienfaits dans ce monde pour ne rien retrouver dans l'au-delà, il aura ce qu'il a cherché. Il ne retrouvera rien dans l'au-delà. Celui qui construit pour l'au-delà. Alors, il fait en sorte de ne pas épuiser tous ses bienfaits dans ce monde. Il en utilise que ce qui est nécessaire à passer sa route, à traverser ce pont, cette vie terrestre qui n'est qu'un voyage très court. Une journée ou une partie de journée. Donc, soit la personne elle a été privée de l'islam, donc lui, il a eu tout le mal, quoi qu'il possède. Soit, elle a été guidée vers l'islam, mais elle est éprouvée par une telle pauvreté qu'elle lui fait oublier son seigneur, ou par une richesse qui le pousse à transgresser les limites. Et dans les deux cas, c'est un malheur. Dans les deux cas, c'est un malheur. La pauvreté extrême qui pousse à oublier le rappel d'Allah et les ordres d'Allah et à être occupé que par manger, subvenir à ses besoins, ça peut être une fitna pour l'homme, pour sa foi, pour sa religion, comme la richesse. Comme Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, certes non L'être humain transgresse quand il voit qu'il peut se passer des autres, c'est-à-dire quand il se sent riche. Et ça, c'est la réalité de cette terre, sauf très peu parmi les serviteurs d'Allah, qu'Allah a couvert de sa miséricorde. La plupart des gens qui sont riches, ils transgressent. Très peu craignent Allah subhanahu wa et dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah et dans les voies qu'Allah a rendues obligatoires, que ce soit pour la famille, pour les liens de parenté. Pour les pauvres, pour les nécessiteux, pour les œuvres de bien, etc. Non. Donc, dans les deux cas, c'est un grand mal pour la religion de la personne. La meilleure voie, c'est la voie du juste milieu, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a cité. Allah lui a octroyé ce qui lui suffit. Donc, alhamdulillah, il n'est pas dans le besoin, car Allah lui a octroyé ce qui lui suffit. Mais il y a des gens à qui Allah a octroyé ce qui leur suffit, mais qui sont encore gourmands. Ils en veulent toujours plus. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Si le fils d'Adam possédait une plaine, une vallée remplie d'or, il en voudrait une deuxième. Mais il n'y a que la terre qui remplira sa bouche. Quand la terre lui remplira la bouche, il n'y a que ça qui le rassasira. Sinon, il en veut toujours plus. Non. Et combien de hadiths dans lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a mis en garde dans le fait de se concurrencer dans ce bas monde et il a dit à ses compagnons Ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais j'ai peur que les portes de ce bas monde vous soient ouvertes et que vous vous concurrenciez dans ce bas monde et qu'elle vous fasse périr comme elle a fait périr les gens avant vous. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ce bas monde, la Dunya, elle est verte, douce, et Allah vous en a donné la responsabilité. Et il regarde comment vous agissez. Craignez donc ce bas monde et craignez les femmes, car la première tentation des Madi Israël fut les femmes. Non. Donc, il y a des personnes à qui Allah a donné l'islam, et il lui a donné une subsistance suffisante, qui peut être ou généreuse ou modeste, comme Allah a décidé pour chacun. Mais cette personne, elle ne se satisfait pas de ce qu'Allah lui a octroyé. Et son cœur ne parvient pas à se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné c'est donc la preuve que son corps et son âme sont pauvres d'un point de vue spirituel car la vraie richesse qu'est-ce qu'il a dit le prophète wa la richesse est la richesse de l'âme quelqu'un qui a une âme noble enrichie par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait qu'il est purifié par l'obéissance d'Allah, par le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. alors cette personne, il se sent riche, satisfait. Il ne demande pas plus des biens éphémères de ce monde s'il a ce qui lui suffit pour l'aider à accomplir ses obligations. Car ce bas-monde, barakallahu fikum, Allah a créé ce bas-monde et nous a créé dans ce bas-monde pour nous éprouver. Et il a créé ce bas-monde comme épreuve pour nous et à notre service. Mais pourquoi Pour qu'on l'utilise dans l'objectif pour lequel Allah nous a créé, qui est de l'adorer sans lui donner aucun associé. Subhanahu wa non. Donc, on voit bien combien de gens qui ont des grandes fortunes, qui sont peut-être même les plus riches de ce monde, mais en vérité, ce sont les plus pauvres des gens. Leurs cœurs sont pauvres. Ils sont tristes. Ils sont dans le souci. Ils sont malheureux. Alors qu'ils possèdent tout ce que tout le monde désire tout ce derrière quoi les gens courent toute la journée et ils en possèdent plus qu'il n'en faut même mais ce sont les plus malheureux des gens certains d'entre eux sont éprouvés dans leur corps dans leur santé d'autres par leurs enfants d'autres par leur propre personne d'autres ils ont tellement tout qu'ils ne trouvent de goût dans rien qu'ils envient même un pauvre monsieur assis comme ça qui mange un sandwich ou qui est tranquille sans souci ou d'autres qui sont touchés par le souci la peine et combien de personnes démunies, qui en apparence ne possèdent rien, mais qui sont en vérité très riches, car ils ont cette richesse d'âme, car ils ont la foi en Allah et en son messager, car ils s'attachent à la religion d'Allah, et car ils aiment Allah et son messager plus que toute autre chose au monde. Alors ils ont goûté à la douceur de la foi. Donc, cette personne, elle se contente de ce qu'Allah lui a donné. Et le fait qu'il s'est contenté, il est riche. Le vrai pauvre, c'est celui qui demande toujours. Celui qui ne demande pas, qui est satisfait de ce qu'il a, il est riche en réalité. Il a une richesse que personne ne possède. Donc l'homme qui est perspicace, c'est celui qui, lorsqu'une situation financière se détériore et que ça n'ajoute pas de pauvreté à son cœur ou à sa religion, et que sa religion, elle n'est pas touchée, alors il est satisfait, tant que sa religion, elle n'est pas touchée. Et il patiente, car il sait que cette vie-là n'est qu'un passage. Et quand Allah lui rajoute et lui donne des biens en plus, il sait que c'est une épreuve. Il sait qu'il va devoir rendre des comptes sur tous ces biens qu'il a reçus et la manière dont il va les utiliser. Donc il fait de son mieux pour craindre Allah Subhanahu wa Ta'ala dans les biens qu'Allah lui a octroyés. Donc cette sérénité, barakallahu feikoum, ce succès, cette réussite, c'est pour celui qui possède ces trois qualités. L'islam et qu'Allah lui a octroyé ce qui lui suffit dans sa subsistance et qu'il soit satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Naam. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما